Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo. D'une part parce que je vous annonce que je pars en vacances aujourd'hui jusqu'à fin de semaine, donc il n'y aura pas trop de vidéos cette semaine-ci. Je vais quand même demander à mon frère d'en poster peut-être une ou deux, histoire qu'il y ait du contenu sur la chaîne. Mais je vous fais cette vidéo surtout pour vous annoncer une petite astuce Kama assez rapide que j'ai découvert avec Teiko. Et que je vais vous partager assez rapidement là tout de suite. Donc il y a un petit prérequis, c'est d'avoir le sort capture d'âme, donc qui est très facilement. On peut l'avoir très facilement en faisant le donjon bulbe, donc c'est accessible, je dirais, au niveau. Allez, 70-80, entre guillemets, à plusieurs, je dirais à deux. Mais c'est pas compliqué comme donjon, mais pour celui-ci, il vous faudra ouais plus ou moins niveau entre 60 et 100, je dirais. Vous pourrez le faire assez facilement. Vous devrez vous munir de moyenne pierre d'âme parfaite. Donc de puissance 100. Et je vais vous expliquer tout simplement. Il vous suffit de faire en fait le donjon, la grotesque. Je vais le faire avec vous assez rapidement. Moi, je mets 5-6 minutes à le faire. Un petit peu plus, allez. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc voilà, d'une part, essayer de faire un maximum de challenge. Juste baisser un petit peu ça. Voilà, parce que bah, le donjon XP pas mal du tout en fait. Et vous allez pouvoir vous faire un peu plus de Kama ainsi. Parce que le fait de faire des challenges, vous allez dropper un peu plus. Voilà, moi j'ai déjà droppé 3 bulbes. Par contre, je vais baisser un petit peu mon son. Voilà. On est déjà salle 2. Allez hop, allez hop. Voilà, moi je le fais assez rapidement avec Pulsar. C'est bien parce que ça tape assez fort. Mais franchement, c'est pas compliqué à faire comme donjon. Hein. À la base, c'est un donjon qui est censé être pour les niveaux 50. Ah, j'ai raté le challenge statue. Mais bon, niveau 50, en fait, le problème, c'est que vous y arrivez, mais c'est beaucoup trop lent, je trouve. J'essaie de faire les challenges en fait, pour XP quand même un minimum. Je vais lui mettre un petit pulsar. Voilà, boum. Encore des bulbes. Voilà, on est déjà à l'avant-dernière salle. Donc c'est assez rapide quand même. Surtout que là je prends mon temps. Je vais pas plus vite que les autres fois. Je regarde les levels, donc c'est le Kurasawa. Allez, viens. Et hop là, ça c'est fait. Maintenant le palmi. Bon, normalement il devrait mourir. Oui, il meurt. Et maintenant les corailleurs qui devraient, ouais, normalement il sera à portée pour pouvoir faire un pulsar. Voilà, allez go, viens mon petit. Bien, mais j'espère qu'il va pas me taper, oui c'est bon. Et voilà, un petit pulsar. Donc ça c'est fait. Ici, une fois que vous arrivez à la salle du corailleur magistral, tout simplement équipez votre pierre d'âme parfaite. Moi j'ai une petite technique pour garder mes 10 PA. Comme j'enlève le cake, ben, je perds le bonus PA de ma panneau, mais j'ai acheté une cape Xa. Enfin non, on m'a offert une cape Xa, mais je l'ai gardée. Comme ça je peux rester en 10-5. Donc le donjon est vraiment pas compliqué à faire. Donc le corps magistral suffit de pas rester à son corps à corps, sinon il vous one shot. Par contre le chal, c'est le tuer là-bas. Ouais, limite. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Comme ça vous le voyez que c'est pas bien compliqué. Le mob tape pas énormément, faut juste, il a pas beaucoup de PM, il y a même des tours il aura 0 PM, vous allez voir. Donc voilà, là il perd ses 3 PM mais il gagne 12 PA. Donc le truc c'est qu'une fois qu'il a tous ses PA, faut vraiment pas aller à son corps à corps, sinon il va vous OS.
Oh, j'ai oublié de faire nomade, c'est pas grave. On va faire premier. Voilà. Vous, cassez-vous. Voilà. On va faire ainsi, histoire de pouvoir bouger. Et de quand même pouvoir mettre une flamiche sur le côté. Comme ça, là, en diagonale, on est tranquille. Il peut venir à notre cas, qu'il n'y a pas de souci. Il peut toujours pas bouger. Hein. Ça reste quelques tours. On va faire un petit pulsar pour le finir. On va leur faire ça. Ah merde, je peux pas le décaler. Comment je pourrais faire? Je vais pas le faire, je vais bouger ainsi et puis après je les mettrai dedans au prochain tour. Voilà. Tout simplement. Voilà, nickel. On va aller par là. J'aimerais bien aller là en fait. Voilà. Et là on peut tout leur faire péter à la gueule, mais non, parce que sinon je vais faire une connerie. Il faut lancer la capture d'âme. Donc cette technique, je la fais depuis quelques jours et je peux vous dire que ça fonctionne parce que je me suis fait... j'étais à 20 millions de kamas à ma dernière vidéo, regardez je suis à combien. Je suis à presque 30 millions donc... je me suis fait quand même pas mal d'argent là-dessus. Et on roule là-bas. Voilà, comme ça, on les pousse dedans. Allez, hop. Et allez, hop. Voilà. On a la capture. Voilà, pierre d'âme parfaite. En plus, on est XP pas trop mal. Pas trop dégueulasse. Donc, je sais pas combien de temps. Ben, voilà, ça fait que 7 minutes que la vidéo a commencé. On a déjà fini le donjon. Donc, quand moi, je me mets en mode speed, je le fais en 5 minutes. Mais là, j'ai pris mon temps. On va aller à l'arène et on va regarder le prix de cette fameuse capture que l'on venait de faire. Pierre d'âme pleine, pierre de gardien de donjon. On fait la petite recherche, on cherche corailleur magistral. Voilà. 4 butins, 189 000 kamas, donc en gros 190 000 kamas quoi. Et moi, cette technique-là, je l'ai fait tellement de fois que j'ai fait 40 fois le donjon. Et j'ai bourré l'HDV et regardez après 2 jours ce qui me reste. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Plus celle de maintenant. Donc c'est vraiment abusé l'argent qu'on peut se faire avec cette technique. En plus c'est vraiment pas compliqué. Vous achetez les clés, vous en achetez 10, vous achetez 10 pierres. Je vais vous montrer le prix des pierres, c'est pas bien cher. Hein. Moyenne pierre d'âme parfaite. Bon là les prix ils sont pas comme d'habitude. Enfin, ça vend encore. Quand vous faites une capture, c'est rentabilisé. En fait, vous en achetez 10. Moi, j'en avais acheté 40. Non, 50 ou 60, je sais plus. Il me reste encore 23. Ouais, je sais plus combien j'en avais acheté, mais ils étaient pas chers à l'unité. Alors, j'avais vidé un petit peu l'HDV. Et j'ai farmé le truc en une journée. J'ai joué 2-3 heures d'affilée. J'ai fait mes 40 donjons. Enfin, même plus. Je sais même plus combien de temps j'ai joué. Je parlais avec Teiko sur Skype. Enfin, le temps passait vite. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette astuce, que vous allez pouvoir la faire sur vos serveurs. Évitez de casser les prix surtout, parce que sinon l'astuce ne vaudra rien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt après mes vacances. Salut à tous !